lowly tarnished. Playing as a lord. I command thee. They will fight. Brandish the Elden Ring. Et bien le bonjour à tous mes nobles et braves malandrins égarés au cœur de l'entre-terre. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Elden Ring. Un petit tuto où je vais vous montrer comment obtenir cette armure, qui est l'armure du mouflon. Donc une armure assez balèze, une armure qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui possède des stats vraiment intéressantes et qui vous donnera un aspect bestial qui piquera les yeux de toutes les petites gourgandines que vous allez croiser. Alors pour obtenir cette armure, on va commencer par se rendre aux catacombes des eaux noires, cavernes des eaux noires, pardon, je me suis égaré. Et là, on va suivre la quête de Pat. On va être obligé de suivre la petite quête de Pat. Donc pour commencer, on traverse le brouillard dans la caverne des eaux noires. Et là, on va avoir un petit coffio qu'on va ouvrir bien gentiment. Et quand vous allez vous servir dans ce coffre, vous allez voir Pat apparaître. Donc Pat, c'est toujours la même petite gourgandine. Pour ceux qui le connaissent, c'est un individu dont l'honneur n'a d'égal que la cupidité. Donc dès qu'il arrive, on lui mouline le baigneur. Donc Pat, on ne va pas le tuer, on va seulement descendre un petit peu sa vie. Vous allez voir, il est assez faiblard. Ce n'est pas un individu très vaillant. Et quand vous allez commencer à bien lui mouliner le baigneur, il va se rendre, il va hisser le drapeau blanc. Donc il va renier son honneur. Et là, vous allez avoir un petit choix. Donc, vous discutez avec lui. Et là, vous avez le choix de le terrasser ou de lui pardonner ses méfaits. Et c'est ce qu'on va faire. On va lui pardonner ses crimes, même si je ne vous cache pas que l'envie de le fignoler bien comme il faut et de lui mettre une petite claque derrière les étiquettes se fait sentir. On va quand même puiser au fond de notre petit cœur de pierre et trouver d'énergie pour le pardonner. Et d'ailleurs, si on ne le pardonne pas, on risque d'avoir des petits problèmes pour obtenir l'armure. Alors une fois que vous avez pardonné cette gourgandine, vous recliquez sur le feu caverne des eaux noires et vous revenez. Donc là, vous allez avoir Pat en petit marchand sympathique. Donc n'hésitez pas à lui acheter quelques items qui peuvent vous intéresser. Et dans le fond de la pièce, on va avoir un petit coffio qui va nous téléporter. Donc c'était un piège téléporteur. Donc on va se retrouver toujours dans les nécrolimbes, mais dans une petite forêt où on va avoir un petit ours qui va nous attendre pour nous casser le berlingot. Alors vous n'êtes pas obligé de vous battre avec l'ours, vous pouvez très bien l'esquiver comme une petite gourgandine. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est retourner une nouvelle fois à la caverne des eaux noires et rediscuter une dernière fois avec ce petit vaurien de pattes qui a l'air assez surpris de nous revoir vivants, mais cette étape-là est maintenant achevée, et là il va falloir vous rendre au manoir du volcan. Donc ce que je vais vous présenter là, je ne pense pas que ce soit très utile pour avoir l'armure, mais vu que c'est sur notre chemin, on va le faire quand même, et ça prend vraiment 2 minutes. Alors quand vous allez vous rendre au manoir du volcan, et que vous allez arriver ici, juste où je vous montre sur la petite map, vous allez avoir une petite marque au sol, donc une marque qui va vous indiquer de suivre les petites pierres luisantes qui vont vous conduire à un trésor. Donc ne vous inquiétez pas, c'est bien évidemment un traquenard de ce vil gredin de pattes. Je le qualifierais même de petite roulure. Alors là, vous suivez les pierres luisantes qui sont au sol et vous allez voir que Pat va débouler et nous tomber sur le coin du berlingot en nous mettant un petit coup de pied dans le trou fignon qui fait bien plaisir. Donc petit coup de pied qui rappelle celui qui nous avait glissé dans le troufion, dans des Demon's Souls. Donc ça fait toujours plaisir de se prendre un petit coup de pompe dans le baigneur. En plus, si c'est les doux pieds de pattes, on apprécie. Donc il vous pousse au fond du ravin, donc il est assez fier de lui. Et comme je vous disais, cette étape n'est sûrement pas nécessaire afin d'obtenir l'armure. Mais vu que c'est assez fun et que c'est vraiment sur la route, je vous la montre quand même dans la vidéo. Alors suivez-la ou ne la suivez pas, c'est à votre bon vouloir. Mais moi je l'ai fait et j'ai obtenu l'armure quand même. Mais comme je vous disais, je ne pense pas que c'est essentiel. Mais bon, ça fait toujours plaisir de tomber dans des traquenards.
on adore ça. Alors au fond du ravin, vous allez avoir quelques petits lézards, éliminez-les, et rendez-vous ensuite au manoir du volcan, qui est juste ici, sur votre petite map. Et quand vous allez arriver dans le manoir, on va prêter allégeance à la petite dame qui est assise sur sa chaise. Et là, si vous avez vu ma vidéo, qui est, je crois que c'est « Comment obtenir l'armure du loup enragé », je vous présentais un petit peu la quête du manoir du volcan. Donc là, on ne va pas la suivre entièrement. On va se contenter de faire la toute première demande de cette petite dame. Donc après avoir obtenu la clé du salon, on ouvre cette petite porte. Et là, sur le coin de la table, il va y avoir la première lettre du manoir du volcan. Alors vous l'ouvrez et vous allez voir qu'elle va vous montrer une petite cible sur votre carte. On y va, il va falloir envahir le monde d'Istvan, le vieux chevalier. Donc on lui mouline le berlingot, comme dans la dernière vidéo d'ailleurs que je vous parlais un petit peu plus tôt. Et là vous allez retourner dans votre monde et obtenir l'armure de ce bon vieux Istvan. Donc une armure qu'on avait déjà obtenue dans une précédente vidéo. Et une fois ceci fait, vous retournez au manoir du volcan, vous rediscutez avec la gourgandine sur sa petite chaise. Donc là, vous épuisez bien tous les dialogues pour passer à l'étape suivante. Mais on ne va pas passer à l'étape suivante, on va se retourner bien gentiment. Et vous allez voir que Pat se terre dans les couloirs du manoir. Il va être juste ici, regardez, je vous le montre tout de suite. Et là, en discutant avec lui, à ce moment-là, juste après l'assassinat de la première cible pour le manoir du volcan, il va vous donner une lettre, donc la lettre pour Pat. Et cette lettre va nous indiquer une cible à assassiner pour cette raclure de pattes. Et cette cible, ce sera Tragoth. Donc c'est lui le porteur de l'armure du mouflon. Et pour le localiser, il faudra avoir fait le donjon Ruine des Falaises. Alors si vous ne savez pas où il est, regardez sur votre map, je vous montre ça tout de suite. Vous suivez le ravin qui monte jusqu'aux Ruines des Falaises dans l'Urnia. Et la marque pour envahir Tragoth se situera dans la salle du boss Dragon du Magma. Donc vous cliquez sur la marque. Vous envahissez Tragoth le Cornu. Donc lui, il est un petit peu plus coriace que les autres cibles qu'on va rencontrer, ou qu'on a même rencontré. Donc on lui mouline aussi le baigneur. On ne fait pas de jaloux. Et quand vous allez l'éliminer, vous allez être réenvoyé dans votre monde. Et à votre retour, vous allez obtenir la fameuse armure du mouflon. Donc c'est une armure qui est assez longue à aller chercher si vous n'avez pas tous les feux. Mais si vous avez déjà fait le donjon, vous allez pouvoir la voir quand même assez rapidement. Alors, une fois l'armure obtenue, je vous montre ça, c'est un petit bonus de malandrin. Vous retournez au manoir du volcan, vous parlez une fois avec Pat, et là vous allez voir qu'il ne vous donne aucune récompense. Donc vous vous reposez une petite fois au feu, et là vous retournez lui parler, et cette raclure avait voulu se gaufrer la récompense. Donc vous lui reparlez, il va vous donner une petite arme qui n'est pas très puissante, mais qui est assez drôle à utiliser. Donc voilà, je vous mets ça quand même dans la vidéo. C'est toujours sympathique, ça fait une petite arme en plus pour les collectionneurs fous qui sont parmi nous. Et sur ce, c'est la fin de ce petit tuto qui, j'espère, aura pu vous aider au mieux à obtenir cette armure du mouflon. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et de votre soutien, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez rejoindre nos rangs de malandrins et me soutenir. Et sur ce, je vous dis à la revoyure, mes petits malandrins.